Bonjour à toutes et à tous, c'est Isoka. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau post-série. On va regarder ensemble la quatrième partie de la finale du 67e OSA, qui oppose, je rappelle, Shibano Toramaru, 9e dan professionnel, qui est à deux victoires, euh, contre une de Yamayuta, 9e dan professionnel, détenteur en titre actuel. Cette partie pourrait être la décisive, puisque euh, si Shibano remporte, ça lui fera trois victoires contre une, et ce ne sera pas suffisant pour Yamayuta pour tenter de remonter même s'il fait encore une victoire puisque c'est le premier à trois victoires qui gagne ce titre. Alors la partie voilà probablement que les deux joueurs ont énormément de pression peut-être quand même Yamayuta encore plus puisque c'est quand même lui qui risque de perdre son titre. Mais Shibano il a quand même un peu de pression maintenant sans doute puisque bah il a la chance de pouvoir peut-être l'avoir quoi. Donc euh Regardons immédiatement ce qui va se passer dans cette partie. Euh, Yamayuta sera noir, Shibano, euh, Toramaru sera blanc, et on commence avec un Komoku Komoku euh, de la part de noir et un Oshi Komoku de la part de blanc. Noir vient verrouiller un coin, donc euh, un Shimari en P17, et blanc approche directement en E17 pour euh, empêcher le deuxième Shimari, euh, aussi un développement trop construit sur le bord haut, ce genre de choses, surtout le Shimari évidemment. Noir se renforce avec D14, donc euh, on peut voir souvent euh, soit ce coup-là, <coughs> soit ce coup-là, soit ce coup-là évidemment, avec euh, cette suite-ci ou cette suite-là, les, les deux sont possibles. Blanc s'étend en J16, donc évidemment il y a plusieurs possibilités, on peut s'étendre de deux intersections, on peut s'étendre de trois intersections, et on peut s'étendre évidemment en hauteur également. Alors évidemment, plus vous jouez large, plus votre adversaire va pouvoir rentrer dedans et vous dire, ah tiens, est-ce que t'es vraiment vivant Mais. Si Blanc a joué j 16 c'est parce qu'il est prêt à jouer ce genre d'échange où il pourrait se renforcer en extérieur. Son but, c'est pas forcément de s'installer sur ce bord haut, même si voilà, c'est quand même l'intérêt, euh, on va dire premier, c'est quand même de pouvoir s'installer puisque même dans l'absolu, si ça se passe comme ça, Blanc peut encore s'étendre de l'autre côté, je rappelle. Hein. Mais c'est surtout ici de pouvoir avoir, de réduire ce bord haut hein, en tout cas. Et euh, c'est compliqué pour Noir de savoir justement comment l'attaquer. Est-ce qu'on devrait plutôt l'approcher par L17 pour réduire sa base de vie Mais du coup, Noir aura tout le loisir de, par exemple, rajouter un coup comme celui-ci, ou même, si on veut être euh, surconcentré ou euh, par là, ou euh, tout de suite jouer un coup de contact. Vous voyez, il y a plein de possibilités en réalité euh, pour s'en sortir, même, même genre ce coup en fait. Donc, l'attaquer comme ça, l'attaquer comme ça, l'attaquer comme ça, l'attaquer comme ça. Vous voyez, il y a trop de manières. Et donc, du coup, Noir vient jouer tout de suite le Sansan san puisque c'est quand même un coin qui est encore libre. Et euh, du coup, Blanc répond de cette manière pour construire sur ce bord bas. Et Noir fait cet échange ici jusqu'à B6. Et Blanc, lâche, euh, ne répond pas, puisque généralement, je rappelle, quand on joue le Keima ici, c'est pour avoir le santé. Et euh, ensuite, Blanc vient verrouiller son coin en O3. Shimari qui regarde le Shimari euh, opposé adverse on va dire, Noir joue tout de suite le coup en C6, en C7, pardon. Alors ça c'est un coup, où on peut réfléchir euh, avant de vouloir l'envisager évidemment. Pourquoi Parce que là on voit quand même que sur le bord gauche, il bah, y a un développement possible pour Noir. Maintenant il faut savoir qu'en réalité il y a quand même ce coup-là qui est envisageable. C'est-à-dire que ça attaque un petit peu, ça affaiblit les deux, posi les, les deux pierres qui sont ici, parce qu'il y, euh, y a quand même. Euh, on peut attaquer cette position de cette manière, avec ce coup en C12. Mais du coup, quand il vient jouer là, Noir développe des points de ce, veut développer des points de ce côté-là, donc ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais il construit aussi les blancs vers ce côté-là. Donc c'est peut-être ce que Shibano voudrait actuellement. Donc le, la suite de ce jeu, c'est euh, Noir joue C2, donc il a affaibli un peu le bord bas. Blanc ne va pas jouer ça, évidemment. C'est encore trop tôt dans la partie. Blanc s'est construit un mur, je rappelle, c'est plutôt pour développer par là. Agrandir cette influence le plus possible en réduisant à gauche et en développant quelque chose de plus grand ici. Si Noir vient jouer ici, c'est vraiment très petit pour l'instant. C'est pas du tout l'intérêt puisque, bah, blanc est, Noir est assez lent en réalité. Il vient de jouer un coup en deuxième ligne qui fait pas beaucoup de points, qui détruit certes une petite zone de territoire, mais c'est tellement espacé qu'en fait Noir pourrait très bien jouer là pour être plus rentable et quoi qu'il arrive, il a une extension, vous voyez. Donc en fait, jouer ici en deuxième ligne, ça n'a pas trop de sens actuellement. Il y a encore le gros bord droit, enfin, le bord droit qui est encore immense. Attention, ce n'est pas ce qui se joue dans la partie. Mais, on peut se demander si c'est intéressant de venir maintenant jouer en C12 actuellement. Sachant que, on voit que Blanc, il a un développement intéressant sur ce bord bas, le bord droit et le centre. Et que s'il en vaille à gauche, la direction, ça va être plutôt, les deux joueurs vont aller vers le centre. Réduire du coup le bord bas. Donc ça, c'est une question très importante à se poser. Est-ce qu'on veut vraiment aller jouer en C12, même si ça existe. Et peut-être que, du coup, noir se dit, la direction va pas être intéressante, il va pas vouloir jouer C12. Et blanc ne va pas jouer C12, il va jouer R15. Bah, le bord droit est immense, je rappelle. Coup de contact, donc coup de contact, ça amène souvent une réponse au contact également, enfin au contact, on va dire local, puisque sinon ça affaiblit un peu trop la position. Euh, beaucoup de possibilités pour noir ici de répondre. Et dans la partie, il vient jouer le coup en Q15, qu'il va enlever une liberté à la pierre en R15, donc blanc recule, et noir descend ici pour dire, c'est mon coin, tu veux développer à droite, je te laisse développer à droite, mais en tout cas, moi je fais un beau coin, parce que c'est quand même un beau coin quand blanc monte ici, noir il se fait, c'est un beau coin, quoi. c'est vraiment un coin très intéressant en termes de points, en termes de force sur le bord haut, et une entrée vers le centre. Les trois pierres qui sont là vont délimiter un petit peu une zone de territoire à droite, évidemment, ou de potentiel en tout cas, il faut rajouter un coup généralement, sinon ça ne sert pas à grand chose d'avoir fait toute cette manœuvre, euh, parce que ça construit énormément les noirs, et euh, blanc noir a quand même joué S16 qui lui permettra de peut-être plus tard avoir un, une glissade du singe ou avoir plus de force pour aller attaquer par exemple en R12 ou, euh, ou autre chose. On verra ce qui va se passer. Dans la partie en tout cas, blanc vient jouer le coup en Q10 ce qui lui permet de développer bah, quelque chose d'intéressant. Regardez, il a un chimari maintenant il a son extension, euh, il a comme une extension sur le bord gauche, euh, le bord bas également. On voit un développement très intéressant sur ce bord euh, bas droit et centre pour blanc. Noir pousse à gauche. Donc il dit très bien, on voit que tu as du potentiel, c'est très intéressant, mais je m'en fous un peu pour l'instant, je veux faire plus de points sur ce bord gauche. Et c'est vrai que plus noir va vers le centre, plus il va faire des points sur ce bord gauche. C'est vrai que c'est intéressant, pourquoi pas. Blanc ici vient jouer E7, noir année, blanc double année. Double année, vous dites oui, mais attends, il y a trop de couples. là, qu'est-ce qu'il va faire En fait, le problème, c'est pas vraiment ça. Le problème, c'est que même si noir coupe, et ensuite fait cet Atari-là, et eh bien, il affaiblit cette pierre euh, en F7, donc probablement que s'il a fait cet échange-là, c'est pour l'abandonner. Mais regardez, il y a une faiblesse encore. Ça veut dire que Noir doit reculer. Et là, Blanc va pouvoir continuer à développer. Et il est solide et tout. Donc, euh, ici, Noir fait Atari. Et puis il vient jouer le coup en E9 pour verrouiller les points à gauche. Blanc pousse, noir recule. Le année il faut faire attention. Pourquoi Parce que quand blanc va jouer ce coup-là, il y a une coupe ici, une coupe là, une coupe là, une coupe là. Ça fait beaucoup de coupes, ça veut dire que blanc pourra pro probablement couper ici à un moment donné. C'est pour ça que noir joue solide ici, parce que si maintenant euh, blanc fait ça, maintenant il y a moins de problèmes. Les problèmes sont différents, vous voyez est, On est moins euh, très rapidement en, en manque de liberté. Donc Blanc ici dit, bah je vais plutôt tuer cette pierre, puisque le chichou est bon pour moi, le, le, ça me renforce énormément sur ce, sur ce côté-là. Et clairement, on peut dire que Noir fait ça comme point, on est d'accord, peut-être qu'il y a encore une réduction possible, mais Blanc a quand même un giga potentiel là. C'est quelque chose qu'on aimerait tous savoir hein. clairement. Noir s'en fout. Noir Yamayuta dit, très bien, vas-y, continue. Continue de développer ça. Euh, je crois que j'ai plein de moyens de m'en sortir, hein. Si je veux, je peux jouer ça, je peux jouer... Euh... Peut-être même ça, je peux même jouer probablement ça ou ça. Enfin voilà, j'ai plein d'idées possibles. J'ai le temps. Donc il va jouer le coup en, en F10. Blanc ne répond pas, parce qu'il est déjà solide. Ce n'est pas sainté le coup en F10 en réalité. Il pourrait continuer à développer son centre évidemment. Mais il doit aussi empêcher Noir de faire beaucoup trop de points parce que il faut l'avouer. Mais c'est quand même du cash ce que Noir a, alors que Blanc, c'est beaucoup plus de potentiel. Aussi, Noir se renforce ici. C'est peut-être pour attaquer le bord haut. Donc, blanc rajoute ce coup-là et fait cet échange-ci. Je rappelle, le bord gauche, ce sont du, des points pour noir. Mais c'est pas forcément le plus intéressant en termes de direction. C'est-à-dire que euh, on voit qu'il y a quand même, alors c'est quand même gros ce qu'il y a à gauche. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que comparé à ce que blanc a fait, euh, tout le potentiel et tout ça, la direction c'était blanc ne voulait pas envahir. C'est surtout ça que je veux revenir. C'est au début, je vous ai dit, Blanc ne veut pas envahir parce qu'il peut développer quelque chose comme ça. Et là, dans la partie, il fait l'échange avec B16, qui dit, bah bon, écoute, si tu fais par exemple ça, bah tout à coup, je peux faire cet échange-là, puis cet échange-là, et au final, j'ai pris le coin. Je me suis installé, je suis tranquille. Et en même temps, je t'ai réduit dans ton truc, dans ton potentiel. Mais Noir, non, 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 il n'est pas d'accord. Noir, il dit, très bien, bah, je vais jouer ça. Et un petit échange va être fait ici, où on voit que Noir, Va prendre le coin et Blanc va aller vers ce bord gauche, qui va détruire du coup quelques points sur ce bord gauche. Mais ici c'est Joseki également, hein, il faut savoir que c'est Joseki. Dans le Joseki, Noir coupe, et la direction c'est par exemple. Euh, alors souvent il n'y a pas la pierre en, en J16, mais euh, on voit que Blanc fait un mur de ce côté-ci, et Noir qui va faire des points de ce côté-là. Sauf que ici, je pense que le plan de Noir n'est pas du tout celui-là. Noir peut vivre facilement avec un coup en E18 et un coup en B15, mais ici, Noir vient jouer ce coup-là. Il dit, très bien, ben, je vais attaquer toute ta position pour essayer de vraiment essayer de tirer profit de quelque chose. Mais surtout, peut-être te pousser vers ce bord gauche où j'ai déjà plein de pierres, où tu feras jamais beaucoup de points. C'est vrai qu'il perd des points, Noir, en faisant cet échange, mais vous allez voir ce qui va se passer. Blanc fait cet échange-là pour ne pas laisser la connexion facile avec E18. Noir capture du coup la pierre pour vivre. Blanc connecte pour ne pas donner trop de points à gauche à Noir alors qu'il n'est toujours pas vivant et qu'il n'a touj qu toujours pas résolu le problème de la pierre en G17. Et, blanc et Noir monte ici. Donc un hobby très solide, potentiellement pour attaquer, enfin potentiellement clairement, pour attaquer les pierres à gauche mais aussi séparer la pierre en G16. Euh, le coup de forme très important à jouer pour Blanc, Noir monte. Et vous voyez, Noir sépare le bord gauche du bord droit. Enfin le, les, la, le groupe à gauche de la pierre en J16. Et regardez le potentiel qui est occupé à se dessiner du, euh, du territoire au nord que, euh, que Noir pourrait se faire. Alors il y a une pierre blanche encore. Il hein. faut encore résoudre ce problème. Peut-être qu'il y a une extension simple et viable pour Blanc. Mais en tout cas, pour l'instant, Noir attaque les pierres à gauche et donc Blanc doit probablement tenter de vivre à gauche. Alors, ça vit probablement plutôt aisément, hein, parce que si maintenant Noir enlève une extension, Blanc peut capturer la pierre, et de toute façon, il a déjà deux yeux, et inversement. Il peut potentiellement faire aussi euh, quelque chose sur ce bord haut. Donc, Blanc fait année ici pour ne pas non plus laisser trop faire, et aussi pour dire, bah, même si tu coupes, tu vas, tu vas te faire attaquer sur tes euh, cinq pierres ici. Donc, Noir année, et il pousse Blanc vers, vers la connexion de ces pierres ici, sauf que maintenant Noir peut faire Atari. Et enfermer. Ce qui se passe à gauche. Alors enfermé entre guillemets. Blanc pousse et vous voyez qu'il y a une coupe, une coupe, une coupe. Blanc fait d'abord Atari. Et ensuite revient connecter ici, puisque sinon il se fait capturer. Il n'y a pas de chichot, les amis. Hein. Quand Blanc connecte, il est probablement vivant. Et noir sort cette pierre. Et là, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est très compliqué, je trouve. On est dans une situation ultra compliquée où noir a potentiellement quelque chose d'assez intéressant sur ce bord haut. Avec ce mur, il a quand même réduit pas mal de potentiel de blanc vers le centre, mais blanc va d'abord consolider ici, parce que, mine de rien, attention, si blanc fait ça, noir est content de jouer ça, puis ça, et puis ça. Parce que là, maintenant, blanc a un beau pâté et noir a une position qui peut, euh, bah, de 1 tuer le groupe de blanc, mais de deux, a une meilleure position pour vivre. Si maintenant blanc arrive à s'en sortir en un seul coup, blanc, noir a déjà un œil. Ça veut dire que l'autre va pas être si dur euh, que ça à faire. Blanc, donc, coup, vient jouer ce coup-là qui est très important Et noir vient faire le coup ici. Vous voyez, il ne joue pas celui-là parce qu'il se dit peut-être. Blanc va faire ça, je vais avoir un problème ici pour euh, peut-être me faire affaiblir mes pierres qui sont là, et ça, c'est toujours pas vivant de toute façon. Donc il préfère avoir tout de suite une, un renforcement sur ce bord haut, et peut-être qu'il n'a pas tort, parce que regardez, le potentiel de points qui peut se faire là-haut, c'est quand même très très gros. Maintenant, vous le voyez, euh, bah, Blanc va jouer évidemment ce coup-là pour séparer les quatre pierres de noir dans le potentiel de Blanc. Et là, ça devient compliqué. Ça devient assez compliqué. Mais, noir... Il va, il y croit, et euh, ben, il attaque le groupe qui est attaquable, on va dire. Donc il le réduit un petit peu. Blanc est probablement vivant maintenant, et noir s'est un peu renforcé sur ce côté-là. Donc il vient dire, ok, c'est bon, je me suis renforcé, je vais consolider plus de potentiel en haut, et en même temps, euh, ben j'ai affaibli un peu tes deux pierres, hein. si tu fais rien, je vais peut-être pouvoir les capturer au prochain coup. Mais surtout, ben euh, voilà. Euh, je sais que mes pierres sont un petit peu seules. On va voir comment. En fait, vu que tes deux pierres elles, elles ont quatre libertés, je me dis que j'ai plus de liberté que toi et que j'ai plus de possibilités de m'étendre sur ce bord ou, ou en tout cas si tu vas vers le bord droit, ben on va aller tous les deux vers le bord droit. Donc il se dit bah c'est possible. Et peut-être qu'il a pas tort, mais c'est ultra compliqué de dire s'il a tort ou pas en fait ici. Hein, vous voyez Parce qu'on peut tous se dire ouais mais attends, je blanc ou ça. Comment je fais pour vivre avec mes pierres quoi Je suis tout à fait d'accord. Moi personnellement, en tant que noir, j'aurais peur là. Je me dis mais ok, euh, qu'est-ce que je fais mais attendez, peut-être que blanc/noir se dit bah, très bien, tu veux faire ça, y a pas de souci. Moi, je vais juste dire, vas-y, euh, tu mes pierres, Mais en attendant, ben bah, moi, je vais, euh, je vais juste rentrer dans ton territoire, dans ton, dans ton Et peut-être que ça plus les territoires qui sont là, c'est suffisant par rapport à ce que blanc ce fait là en fait parce qu'il faut avouer que ce groupe à gauche ne fait pas beaucoup de points il fait des points à droite mais il va être réduit et il peut être réduit un peu partout en fait donc du coup euh, peut-être que c'est ça le plan à la base de de Yamayuta sauf que quand blanc vient jouer ce coup là noir vient jouer ça donc non c'était pas le plan de Yamayuta euh, blanc vient jouer ce coup là il veut essayer de séparer d'affaiblir et de se renforcer grâce à la gueule du tigre ici euh, blanc euh, noir gueule du tigre également blanc sort ne fait pas Atari on se rappelle, on ne fait pas Atari, ça construit l'adversaire évidemment. Hein. Imaginez que vous faites Atari ici, puis ça, d'accord, vous avez un petit peu plus enfermé les euh, noirs, mais vous les avez aussi un peu plus consolidés. Parce que maintenant, bah, ce genre de coup ici n'existe plus. Donc, juste les enfermer, en termes de forme, ça ça laisse une position qui est étrange pour Noir et qui fait que, ah ouais, je suis, bah, comment je fais pour faire mes yeux, quoi. Donc vraiment, faites attention quand vous voulez faire Atari. Euh, vous voulez pas forcément faire Atari en réalité. Donc Noir fait le Tobi. Euh, ça menace de jouer P3. Ça menace de jouer sur le bord droit également. Euh, noir Blanc vient jouer Snobi qui menace de couper. Et qui connecte en même temps les deux pierres ici à la pierre qui se trouve ici dans le coin. Blu noir fait Atari. Parce qu'il veut euh, potentiellement se consolider quelque chose. Mais c'est potentiellement un oeil également. Et puis il vient faire l'échange qui est là. Petit échange ici. On va avancer un peu plus vite. Et il vient jouer ce coup-là. Alors ça c'est très 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 intéressant, vous allez voir, c'est le début d'un combat assez intéressant euh, parce que ça enlève des libertés. Ça enlève une liberté, et vous allez vous dire et, et le, le je suis sûr que vous avez trouvé le prochain coup. Évidemment, et qu'est-ce qui se passe quand Blanc va jouer ça Noir va pas reculer quand même, parce que sinon euh, il va se faire couper, donc il peut pas. Mais évidemment qu'il va pas jouer ça, il va jouer cet échange-là. Mais Blanc ensuite va jouer ça, c'est important pour attaquer la, les formes. Euh, de, de noir et de dire t'es pas vivant petit échange à droite encore une fois et vous voyez que blanc joue tous les coups santé en fait pour dire ah bah tiens tu peux potentiellement faire ce que t'avais envie de faire mais d'abord bah si tu veux vraiment les faire tu vas devoir abandonner quelques pierres donc noir répond il y a aucune raison qu'il abandonne toutes ces pierres hein, pour l'instant mais il est pas vivant localement là pour l'instant on voit aucun œil chez noir ça ce n'est pas un œil je rappelle hein, puisque euh, on voit que noir peut blanc peut jouer ici donc Blanc vient faire année ici, disant, à droite, tu ne feras jamais deux yeux. Tu peux faire ça, mais c'est tout. Et encore, il y a ça d'abord, et puis ça. Donc, il n'y a même pas un œil à droite pour Noir. Noir vient d'abord couper ici, très important comme échange. Mais est-ce que Yamayuta a lu tout ce que vous allez voir Je vais vous montrer la séquence après. C'est incroyable. Euh, noir commence par ce coup-là, et puis il vient jouer ce... Euh, Tesouji en G6 qui fait Atari sur les quatre pierres. Blanc capture, jusque-là, rien d'anormal, et Noir descend. Et là, je vous avoue que euh, si Blanc fait ça, Noir fait Atari. Blanc répond, et puis Noir vient faire le ané qui est ici. Et là vous allez dire, oui, mais d'accord, mais qu'est-ce qui se passe Noir fait Blanc fait juste Atari ici. Sauf que, 1, il y a des choses à réfléchir, comme Noir répond. Blanc doit reculer quoi qu'il arrive. Ok, et là on peut se poser la question, tiens et finalement est-ce que euh, est-ce que euh, blanc est vivant Mais surtout noir a juste à capturer en fait. Il aura probablement un œil, il aura probablement la vie ici puisqu'il il peut même connecter avec F1 pour connecter à G C2. C'est-à-dire que euh, par exemple comme ça, ça ça connecte. Blanc ne peut pas séparer. Blanc ne peut clairement pas jamais séparer. Donc a priori, c'est ça a l'air catastrophique pour euh, pour euh, pour blanc. Il y a un autre échange qui est possible aussi, mais je pense que celui-là c'est le plus simple. Mais c'est si noir fait ça, blanc, noir, blanc, noir. Qu'est-ce que se passe avec les pierres en pâté qui se trouvent à gauche Il y a des choses à lire. Hein. Par exemple, euh, euh, blanc peut potentiellement commencer par ça, mais surtout descendre ici. Mais là, il faut réfléchir à différentes choses, comme par exemple juste Ceci, qu'est-ce qui se passe Si maintenant ça se passe comme ça, qui gagne le CMI Ça a l'air d'être plutôt noir, je dirais. Mais c'est quand même intéressant à, à se poser comme question. Donc pour en revenir du coup à euh, la situation de la partie, évidemment quand Noir joue ça, Blanc va jouer ce coup-là. Ça fait atari sur les trois pierres. Si maintenant Noir répond, Blanc peut connecter, il n'y a plus rien. Et le groupe de Noir est peut-être mort. Donc Noir ne répond pas, et quand Blanc joue ça, Noir fait ce coup-là. Blanc capture, et Noir vient faire le hané ici. Blanc descend, enfin fait Atari plutôt, Noir répond, Blanc Atari, Noir vient faire l'échange qui est ici et dit Attention, je te capture les trois pierres, je suis vivant, hein. si ça se passe comme ça, regardez, il y a un œil là et un œil là. Donc, enfin, bah, il y a un œil potentiel ici, mais c'est quand même, il y a de grandes chances que ce soit un œil, parce que sinon, euh, Blanc peut se faire peut-être capturer les pierres qui sont là. Donc. Blanc ici vient jouer en J18, c'est-à-dire qu'il ne répond même pas pour capturer les pierres qui sont là. Mais il y a quand même pas mal de choses à lire. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que si Blanc ne répond pas à ça et vient connecter ici, parce que c'est la première question qu'on doit se poser, évidemment, si Noir fait ce coup-là, Blanc peut jouer le coup en E2. Si Noir descend, Blanc capture. Si Noir monte, Blanc connecte. Donc ça ne pose pas de problème pour une Blanc. L'autre possibilité, c'est évidemment, tiens, et si Noir vient jouer ce coup-là, parce que c'est un coup très important, Blanc peut jouer ce année, Noir peut faire la coupe, et il y a quand même pas mal de choses à réfléchir. Premièrement, bah on peut envisager de simplement jouer cet échange-là d'abord. Et ensuite, Blanc vient jouer le coup en K2. Et là, il y a quand même pas mal de choses à réfléchir. Comme par exemple le année ici, qu'est-ce qui se passe? Bon, on peut regarder rapidement, mais c'est quand même ultra compliqué parce que ici, Blanc est obligé de répondre à tout ça. Ici, Blanc doit reculer probablement. Et quand Noir fait ça, Blanc peut commencer par ça pour dire Tu ne pourras pas jouer G1 sans. E1. Donc ça a l'air quand même vachement compliqué pour trouver une vie. Pour en revenir à la partie, parce que je vais vous montrer après comment ça va se passer, puisque évidemment on va revenir sur le bord bas, blanc descend en J18, ça réveille toutes les pierres qui sont en haut de, de blanc, ça menace de connecter, ça menace aussi de peut-être envisager une attaque sur ce groupe-là, et euh, noir vient jouer euh, K17. Blanc connecte, noir descend, blanc connecte enfin en bas, et on va voir ce qui va se passer. Euh, noir vient jouer le coup en E2. Blanc année, jusque-là je vous l'ai montré, euh, c'est exactement ça. Blanc pousse et ensuite vient jouer K2. Et là noir vient jouer ce coup-là. Je vous ai montré par rapport à ça, mais évidemment ce coup-là c'était un coup que je ne vous ai pas montré pour justement vous le montrer ici. Mais euh, Blanc rajoute ce coup-là, Noir monte. Et c'est très joli parce que quand Blanc joue le coup en N2, Noir descend. Et c'est joli pourquoi Parce que quand Noir fait ça, si Blanc fait ça, Noir joue ça. Blanc capture. Et il doit faire un coup, il doit rajouter un coup pour vivre en fait. Donc ici, blanc peut capturer ces pierres-là. Mais, noir peut faire ça, 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 et descendre ici. Et ça, c'est la séquence que je voulais vous montrer tout à l'heure. Et là, le problème, c'est que les blancs ne sont pas vivants. Donc ici, si cet échange-là se fait, vous voyez que c'est catastrophique pour blanc. Donc ici, pour le coup, euh, évidemment que blanc ne fera pas ça. Et dans la partie, il vient jouer ce coup-là. Noir capture, et là vous dites, ouais, mais attends. Blanc vient d'abandonner ces pires là, mais il n'avait pas le choix en réalité. Sauf que c'est pas si clair que ça. Blanc vient faire cet échange là et tourner ici en S5 et c'est très important. C'est vraiment très important de le faire. Pourquoi Parce qu'il y a un manque de liberté. Noir vient jouer L1, Blanc K1. Pourquoi Parce qu'ici il y a quand même, je rappelle, un problème, c'est que Noir ne pourra pas jouer G1 sans avoir tout connecté ici. Noir vient jouer F1, Blanc enlève une liberté mais c'est aussi attaqué. Donc Noir répond. Et ensuite blanc vient connecter en E3. Blanc, Noir Connecte. Et il doit encore connecter E1 avant de jouer G1, je rappelle. Donc Blanc va jouer ailleurs. Et pourquoi Parce qu'en fait, même si Blanc vient jouer ici, c'est Atari. Donc Noir connecte, Blanc capture les pierres. Donc évidemment, Noir ne veut pas connecter. Il va surtout connecter ici. Si Blanc capture, c'est ta blanc, de toute façon les pierres seront en blanc. Mais noir est en Atari. Donc il répond. Et vous voyez qu'il a. Trois libertés, par contre noir, blanc n'en a que deux. Donc en fait le seméail est gagné pour noir, en laissant tomber ces pierres-là. Il n'avait juste pas le choix. Mais vous voyez que, quoi qu'il arrive, ces pierres-là sont capturées. Et euh, c'est un échange qui est plutôt gros, parce que je rappelle que c'était quand même tout le potentiel de blanc, et qu'au final, noir s'est installé. Je vous avoue qu'après cet échange sur le bord bas, je pense que noir est en avance. Parce qu'il y a un énorme potentiel ici en haut, et que les pierres blancs sont toujours pas vivantes dans un territoire adverse. Donc, on va voir un petit peu comment noir euh, se défend. Ici, blanc vient enlever une liberté. Noir rajoute le coup. Capture, connexion. Et maintenant, blanc va essayer de vivre sur ce bord haut. Noir réduit. Vous voyez qu'il ne joue pas tout de suite le point vital. Euh, il n'essaie pas de jouer à l'intérieur de l'adversaire. Non. On réduit d'abord, avant de vouloir, euh, de vouloir tuer, évidemment. Parce que si ça se passe comme ça, évidemment que là, euh, ça va être difficile pour, euh, pour blanc de vivre. Mais blanc va juste pousser ici, faire cet échange-là, aller vers le centre, année, fermer, faire l'œil, en fait, qui se trouve ici. Noir vient empêcher le deuxième œil, blanc connecte, et noir recule. Et là, bah, c'est quand même euh, un moment très compliqué. Qu'est-ce qui se passe se passe-t-il Blanc localement n'a qu'un seul œil pour l'instant, mais il a une, une possibilité de s'en sortir. Donc, bah, il sort. Il menace de sortir. L'idée, c'est quoi Je rappelle que euh, on voit pas forcément deux yeux pour l'instant. Noir empêche la sortie et blanc vient jouer ce coup-là, qui menace de couper, mais en même temps, peut-être un deuxième œil avec h15. Donc, noir répond, blanc rajoute ce coup-là. Ça veut dire que le prochain coup c'est h15 et ça fait vivre. Mais si noir essaie de te tuer. Je pense que Blanc pousse ici. Si maintenant Noir fait cet changes-là, Blanc fait celui-là, puis celui-là, et vient connecter ses pierres. Ou en tout cas, euh, dire, bah attention, je t'enferme, et tu dois jouer E18 sinon, E19 sinon, non, E18 sinon tu es mort. Le groupe qui est là n'a qu'un seul œil en fait, il est là l'œil. Donc en fait, Noir doit faire attention. Donc il va reculer peut-être. Enfin il va reculer, c'est son deuxième choix. En fait, les, pourquoi je vous propose ça C'est parce qu'en fait, si, imaginons que Blanc joue ailleurs, si Noir pousse ici, et que Blanc joue ça, Noir peut couper. Donc euh, localement, Blanc n'aurait qu'un seul œil. S'il vient jouer ce coup-là, il menace de capturer. Mais si Noir joue ça, si Blanc joue ça, Noir peut, capturer, peut empêcher l'œil. Si Blanc joue ça, Noir peut faire ça. Et là, il y a quand même une, une autre question à se poser, c'est qu'est-ce qui se passe ici Alors évidemment, on peut imaginer un truc comme celui-ci, puis celui-là. Les pierres ici sont quand même séparées. Mais noir est en, Blanc est enfermé, donc il y a un Semi. C'est pour ça que euh, Blanc doit pousser ici en premier sans jouer ailleurs. C'est pour vraiment réveiller tout ça. Ensuite, Blanc fait Atari, connexion. Connexion, menace de coupe, connexion. Et Blanc maintenant va par exemple jouer ce coup-là. Si Noir ne joue pas E18 pour dire je vais séparer un peu tes pierres ou te couper, le problème c'est que maintenant il y a un SemiAi. Et c'est, je pense, Blanc qui le gagne parce qu'il a un œil et Noir n'en a pas. Et vous dites, oui, mais attends, il y a plein de menaces, euh, il y a plein de libertés extérieures pour Noir, mais en fait, Blanc a plein de libertés extérieures. Et je rappelle qu'un groupe qui a un œil contre un groupe qui n'a pas d'œil, les libertés intérieures, donc les libertés qui sont ici à l'intérieur, sont à celui qui a un œil. Donc, Blanc est avantagé. Et c'est pour ça que je pense que euh, Noir n'envisage pas de tout de suite tuer le groupe de Blanc, mais surtout d'abord de l'enfermer. Et d'aider les pierres de Noir ici aussi. Donc ici, Blanc vient d'abord faire un échange Santé en bas, et puis vient empêcher, enfin vient menacer de couper, mais surtout faire son deuxième œil et être tranquille. Maintenant, Noir vient prendre son dû, puisqu'il a quand même rajouté un coup ici qui lui permet de capturer les trois pierres de Blanc. Ou en tout cas, de tenter de les capturer. Blanc vient faire un petit échange ici, où il y a une réduction du yossé, et je vous avoue que c'était le dernier combat de cette partie. Maintenant, ça va être le Yose, et ça va être, euh, je peux vous l'avouer, très 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 serré. Yama Yuta, il lui faut au moins cette victoire pour espérer gagner la prochaine et remporter le titre. Shibanoto n'est qu'à une seule victoire. Il est à quelques points de remporter le Oza, ce qui lui ferait son deuxième titre après le Meijin qu'il a gagné il y a quelques temps. Il y a très peu de temps d'ailleurs contre Sho. Et ben, on va avancer un peu jusqu'à la fin, parce que c'est terminé en fait, Il reste que le Yosei. Que les derniers petits coups. Mais Shibano Toramaru remporte cette partie de 0,5. La partie était tellement serrée, c'était incroyable. Avec des beaux échanges qui s'est passé, un beau combat en bas, un beau combat en haut. Enfin, moi, j'ai, sûr qu'il fait cette partie, j'espère que vous aussi. Shibano, Shibano Toramaru remporte le Oza. Ça lui fait son deuxième titre, les amis. C'est incroyable. Alors, je rappelle, Yamayuta possédait quatre titres. Il lui en reste encore trois. On va voir comment il se défendra sur les autres. Mais en tout cas, il a, enfin, pour tout vous dire, les parties que Shibano Toramaru a gagnées, il les a gagnées de 1.5 point demi ou de 0.5. demi. Il n'y a qu'une seule partie que Yamayuta a gagnée et il a gagné par abandon parce qu'il avait tué un groupe. Mais toutes les, les trois autres parties que Shibano a remportées, c'est du serré, serré, serré. Donc Shibano Toramaru est très très fort IOC, c'est incroyable quand même. C'est vraiment très très fort parce que c'était c'était stress. Euh, je pense que après ce qui s'est passé en bas, Noir gagnait. Mais euh, bah, évidemment, il fallait encore gérer ce qui se passait en haut. Et ça, c'est très compliqué quoi. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi euh, cette, euh, cette petite aventure de ProSérie sur la finale du OSA, du 67ème OSA. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question ou un avis à donner. Merci à toutes celles et ceux qui me soutiennent sur Tipeee ou Utip, euh, parce que ça m'aide vraiment, je le répète, mais c'est vraiment euh, un grand merci à vous. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain ProSérie. Bye bye